100 livres sort en octobre. Ouais. Comment c'est a débuté, si on veut, le processus créatif derrière cet album-là? À base ici, j'ai invité 5 drummers ensemble parce que j'ai réalisé qu'au fil du temps, tu rencontres plein de musiciens, puis on dirait que le musicien que j'ai rencontré le plus, c'est le drummer. J'avais comme plein d'amis drummers, puis je voulais jouer avec toutes ces personnes-là. Fait que je me suis dit, je me demande qu'est-ce que ça ferait si on mettait 5 drummers ensemble dans une pièce, puis qu'on les faisait jouer ensemble. Puis j'ai enregistré des beats parce que je voulais me donner une espèce de matériel à utiliser pour composer, t'sais, partir d'un beat au lieu d'être tout seul avec ma guitare puis écrire des chansons tristes. Au même endroit, je ne reste jamais aussi longtemps. Ce serait quoi vos commentaires? C'est très bon quand les paroles. Très, très bon. Oui, belle musique aussi. Super, ben merci beaucoup, madame. J'avais écrit beaucoup, puis j'écrivais aussi, justement, j'ai composé, on dirait que, tu sais, d'avoir le studio aussi, c'était la première fois que, j'ai réalisé le disque moi-même, fait que je me suis retrouvé beaucoup tout seul à autant travailler sur une groove que sur le texte qui pourrait aller dessus, tu sais, j'enregistrais une voix, puis mon texte n'était pas fini, puis je le plaçais au fur et à mesure, puis comme j'étais plus dépendant de quelqu'un d'autre, fait que ça, on dirait que ça m'a permis de prendre mes aises. Puis c'est la même affaire avec le char, tu sais. C'était mon char, tu sais, j'en voulais un, puis là, c'est le mien, puis je peux aller où je veux avec. Puis tu sais, il roule bien quand même, il n'y a pas beaucoup de millage, puis il n'y a pas de rouille, fait que c'est comme un nouveau studio, dans le fond, tu sais. C'est en shape, tu sais. Si tu veux, on va faire un tour de char. Ça te tente-tu? Pour parler de l'album? Ah, c'est plus que ça, il fait chaud, là, il n'y a pas de clim, puis moi j'ai la clim dans mon char. Ok, ah ouais, cool. C'est lui. Je suis dans l'immeuble d'en face, quelques étages plus haut que toi. Qui vient comme agressif ou impatient dans le trafic, mettons. Impatient, oui! Impatient, mais genre, cette semaine est verte, Chris. Pas tant, là, pas agressif. Je comprends pas ça, moi, c'est vert et y a personne qui bouge. Genre, je suis comme... sérieux... On fait écouter un petit extrait, puis vous me dites ce que vous en pensez après ça. C'est facile, encore sur tes pas, ce sera la dernière fois. Léger, léger, je vais l'arrêter. Tu fais ta prière. J'ai pas les paroles avec moi, mais qu'est-ce que tu dirais comme commentaire, comme ça? Mais je vois que c'est pas trop, les paroles sont pas trop claires, puis j'arrive pas, on dirait que le son est plus élevé que la voix, puis la voix c'est pas trop clair. J'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, tu comprends? C'est quand même en shape, là. Oups, non, je me suis trompé. J'ai ouvert ça. Je l'ouvre pas souvent parce que j'ai pas besoin, t'sais, y a pas de problème. J'ai jamais de problème. C'est ça, tu sais. C'est une batterie neuve, je l'ai changée début de l'été. Puis regarde, tu vois, là, c'est ça, quand il y a eu l'accident ici, il y a eu un petit accro, là, on y a mis une vis pour pas qu'il revienne l'antigel, tu sais. Puis c'est tout... J'ai plus de liquide à lave-glace. C'est sûr que c'est important. C'est rassurant. Mais c'est quelqu'un, c'est qui? C'est quoi? C'est moi. C'est toi, quelqu'un? Ouais. C'est moi, c'est comme... c'est ça, c'est la première que j'ai écrite, là, avec mon affaire, là, de...
thème où je voulais un peu plus parler de moi. Puis, fait que j'ai pris cet angle-là. Puis c'est drôle parce que je parle de moi, mais j'ai quelqu'un qui m'a fait réaliser que c'est à la négative beaucoup. Là. C'est comme tout ce que je suis pas, dans le fond. Je sais pas ce que ça dit, là. Peut-être, ça veut dire quoi, ça, comme titre de chanson? Ça, j'avais voulu acheter une maison dans le bas du fleuve, puis il avait refusé l'offre d'achat. Puis tu sais, c'est comme, c'est niaiseux, hein, tu sais, on est comme dans un espèce de moment où, justement, c'est une drôle d'idée que d'aller s'acheter une maison sur le bord du fleuve parce que le fleuve, il monte, puis que... Il y a des inondations, puis que le monde perd leur maison à cause de ça. Puis je me suis juste questionné à savoir pourquoi, malgré que je sais ça, j'ai envie de m'en aller là. Puis je pense que... probablement parce que j'ai envie de voir... de vivre les choses, là, tu sais, de même si c'est pour finir. La fenêtre baissée, j'ai eu le vent pour moi, ça pouvait pas durer. Ils mettent fin à tout ce qu'ils ont commencé. Ça? Tu peux me donner un petit commentaire? Moi, j'aime bien le nouvel artiste. Sa musique, ça a du bon sens. Moi, c'est la musique que j'écouterais maintenant pour m'entraîner. C'est, ça donne du boost. Là, genre. Cool, merci. C'est ça, puis en fait. Quoi? Je voulais te montrer d'autres choses parce que. C'est ça. Ouais, je voulais te montrer le capot, en fait. Parce que c'est moi qui l'ai changé. C'est ça que je te disais tantôt. Là. Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué parce que t'as deux bottes ici. Excuse-moi. T'as deux bottes là. Fait que c'est juste ça. Puis ce qu'il faut pas que tu oublies de faire, c'est venir raccorder ici ton tuyau. Ça, c'est pour le lave-glace, justement. OK. Ouais. T'as-tu fait ça toi-même? Ben, avec Nicolas Groux. Il est venu m'aider, là. Parce que c'est quand même, tu sais, c'est lourd, là. Puis tu regardes, dans le fond, je vais te montrer, là. Dans le fond, là, check. Et ça, tu vois, on le voit encore, là. Ça, c'est le petit numéro, là, qu'il y avait chez Kenny Hooper. Kenny Hooper, man. Pour man. Dans le fond, c'est la même affaire, hein? Prendre soin d'une voiture puis faire un album. T'sais. Écrire la chanson, c'est un peu comme choisir ta marque. Composer la musique, c'est choisir ton modèle. Après ça, les arrangements, t'sais, c'est comme qu'est-ce que tu mets dans l'auto. T'sais, regarde, comme moi ici dans mon auto, j'ai un macaron. C'est un des arrangements de mon auto, disons. Le gear, ouais, ben le gear, ça serait comme les pneus. Changer les pneus, je t'en faut que tu changes tes pneus. Les clés. Les clés aussi, tu sais, t'en as pas rien qu'une, une clé. C'est comme les guitares, tu sais. Des fois, il y en a une qui sert. Tu sais, il y en a une que c'est comme la clé de tous les jours. T'as la clé de safety que tu laisses dans un sac rangé en sécurité au cas où tu perdrais ta clé de tous les jours. Checker le mille, c'est quoi, maintenant? Retravailler un couplet qui marche moins bien, mettons. Puis mettons, changer ta suspension. Ça, je pense que ça serait comme peut-être... faire un edit radio. Puis l'album fini, masterisé, c'est comme le chant fini, c'est quoi? L'album fini masterisé, ce serait comme l'aventure. Là où ça te mène.